مدارين بغيبان كامل سوق القرآن خلينا نقول قالوا نريد أن نأكل منها قبل تجوب عن guidelines قبل عن guidelines من الانفير من النومينيتيف نقول دي ميم كيفية action من الانفير نقول من النومينيتيف نقول سو كونجوغي سو سي بون allez قالوا vous connaissez qui ça قالوا décès donc قالوا c'est past tense il y a un préfixe قالوا قال duel قالا pluriel قالوا donc décès nous le cambez des points après nous ouvrir guillemets qui va nous dire نريد أن نأكل منها نأكل vous rappelez نأكل qui veut dire ça نأكل أكل يأكل nous fait ça أكل يأكل qui veut dire أكل يأكل manger. Akala ya akulu veut dire manger. Dans ma session précédente, tu fais ça. Akala ya akulu manger. Nuridu, tu veux dire arada yuridu. Want. Arada yuridu veut dire want. Je calcule même dans Urdu, c'est dans ça. Irada. Urdu va dire irada, je connais un petit peu Urdu. Irada. Ok, irada veut dire sur, sur l'envie ou sur l'intention. Sur l'intention. Donc, arada yuridu, écrit comme ça. Arada yuridu. Arada yuridu. Arada he wanted. Yuridu he wants. Ok, bien le chat. Arada he wanted. Yuridu he wants. Yuridu il veut nuridu. Qu'est-ce qu'on va voir ça? Voilà. Il n'a pas dit là. Qui veut dire nuridu? Oui. Comment tu connais oui? Parce qu'il y en a ne. Ok? Donc il veut dire we want another couleur to eat. Et voilà, un. Rappelle-toi la dernière, il veut dire un veut dire that. Un, pour le moment, il veut dire that. Pour le moment, il trouve que ce rachoubi pratique, c'est tu. Pour le moment, il est capable de dire that. Pour le moment, il est capable de dire tu. Et si nous trouvons tu pour remplir, bien. We want. Un couleur that we eat, capable de dire que ce soit we want, au lieu de dire we want, that we eat, nous disons simplement we want to eat minha from it. Ok? Nous on vit mange depuis ça. Et notre couleur c'est toujours nourriu, nahnu, notre couleur on peut toujours nahnu. Ok? Mais maintenant, ok, elle a nous dit nourriu. Le gang dit ne, ne pas dire ne aku. Lu, le dit ne aku le. Est-ce que vous allez me suivre? Qui fait ne pas dire ne aku lu, le dit ne aku le? Parce qu'il est contrôlé by un. Par contre, nous, le lu n'est pas contrôlé by un. Ok? Il est un petit. Non, c'est pas infinitif. Quand on peut causer, on peut dire qu'il y a un peu de temps. On peut dire qu'il n'y a pas. C'est pas infinitif parce qu'il y a encore toujours. Oui, we eat. We want to eat from it. That we eat from it. Vous suivez moi là? We want that we eat from it. Mais c'est moi en anglais, dis-moi, vous avez en anglais qui dit anglais. Parce qu'il devient bien, plutôt qu'il est affectif. Oh, voilà, en anglais, peut-être devenir affectif. Oui, peut-être en anglais, devenir comme ça. Peut-être en anglais, il devient infinitif, mais bon. Arabe, n'est pas infinitif. Est-ce que vous pouvez continuer? C'est bon, ma frère, là? Allez, vous continuez. قالوا نريد أن نأكل منها جدبنا نأكل من منصوب من تمين با tout simplement parce qu'il est contrôlé par un. Nous continuons. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. أتريد qui dit ça تريد toujours أراد يريد أن تقتلني. تقتلني c'est قتل يقتل nous allons voir قتال قتال to kill. Quand elle a continué, c'est to kill. Alors, je m'écris ici. To kill.
Quand il y a un peu de kill, ici, il y a un peu de ni, comment? Comment parler matraoul? Qu'est-ce que comment? Kuma. Comment parler matraoul? Kuma. Qatalta nafsan bil ams. Nous allons regarder, est-ce que ce qu'on a un verbe, est-ce que nous avons nominé, et ce qu'on a nominé, nous guettons une conjugaison. Ça, à la fin, vous avez des questions. Comment on traduit cette question-là? Est-ce que tu veux? You want. C'est un dessin. Est-ce que toi tu as envie un taqatula? Taqatula. You kill ni. Mi. Est-ce que tu veux suivre? C'est taqatula ni, c'est taqatulu plus i. Allez, c'est ce qu'on écrit. Attach pronoun. Donc, verbe là, c'est qatala. Qatala yaqtulu. Vous avez suivi? Qatala yaqtulu. Huwa yaqtulu ou anta limin taqtulu. Taqtulu. Vous avez suivi? A cause na. Un. Ne pas dire un taqtulu, qui nous dit un taqtula. Est-ce que c'est un chiffre? T'as pas un chiffre? Donc, en deux mots, qatala, he killed, yaqtulu, he kills. Taqtulu, you kill. Un taqtula, that you kill, plus ni. That you kill me. Rappel, un attach pronoun, quand il est attaché à un verbe, devient objet. Devient objet. Tu te rappelles? Là, il devient you kill me. You, sujet, me, objet. You kill me. T'es capable de suivre? Ok, là. To you. Est-ce que tu as envie? Tu, moi, en anglais, do you want to kill me? Comment? Qatalta. You killed. La clé est là, il est préfixe, il est pas présent. Là, il se fixe. Unta, qatalta. C'est bon là, faut que la réponse tête. Like, ou soit comment? Te titui nafsan. Un person. Someone. Bil ams. Ams veut dire hier. Yeah. Bil ams veut dire hier. Yeah. Est-ce que c'est bon? La personne qui s'en a ça. Exactement. On ne peut pas le vérifier, mais ça, on a tous les deux. Moussa alayhi salam. Est-ce que tu envie tu, moi, kouma, te titui, toi, kratelte, toi, te titui. Tu es and loves hier. Ok? Et ici, ni est l'objet de qatala. Tu es quoi? Tu es moi. Pendant que ici, nafsan, l'accusatif, parce que l'objet de qatala. Tu es quoi? Tu es un nafs. À cause de l'accusatif. Nous allons continuer? Ok? Yuriduna. Et comme il y a tout dit dans tout ça, verbe là. Nuridu. Turidu. Yuriduna. Tu dis connais qui personne ça? Tu connais qui prononce ça? Yuriduna. Facile. Un. Règne gagne. Un. Yahrujou. Minan. Na. Essaye de comprendre. Yahrujou. Qu'est-ce que veut dire Yahrujou? Sorti. Ok, tu leave ou soit sorti, tu get out. Tu get out ou soit tu leave, il n'y a pas de problème. Yuriduna en yafrujo minan nar. Allez, yuridun. Comment on trouve ça? Il y en a qui montre moi ça. The. Yuridun, c'est troisième personne, pluriel, the. Normalement, c'est kum. Comme on trouve ye et un, me connaissez kum. Et d'ailleurs, il y en a nominé ti. Donc, on a besoin de conjugué, sauf.
Yuridun, bila banla om, bila mau ke Arab, apa necessary dia? Hum yuridun. Bila pot angle, ipa kamu harus mahu suara apa? Want. Angle kita bisa dia. They want. Angle kita bisa kursi kemahal. They want to yakhruju. Get out minan nar. From the fire. En fait, ça yakhruju. Là, les mots qui viennent, ils viennent là, c'est yakh. Voilà, il y a une chaîne qui est là. Yakhrujuna. C'est yakhrujuna. Il y a encore toujours pareil que moi, ça n'a là. Mais il y en a yakh, il y en a un. Donc, c'est hum. Ça n'a là aussi, c'est hum. Mais qui n'est arrivé à cause de la un, nous est tombé. Donc, il vient yakhrujuna, vient yakhruju. Ok, c'est assez? Ben là, on vit get out, ben là, on vit sortir depuis le feu. Ben, Richard, comment on va dire? Normalement, comment on va trouver un contrôleur? Un, l'un, li, gay, hatta, idan. Comment on va trouver? Un, par exemple, nous connaît soit les termines par E, soit ce nom de bout. Tomber. Nous désaccord, hein? Peut finir prévoir qu'il va arriver ça. Ok. Donc, il est important qu'il nous identifie, ben, contrôleurs. Allez. Liya'lam Allahu. Liya'lam Allahu. Man yansuruhu wa rasulahu. Ya'lam, ou bien alima ya'lam, ilm. To know. To know. Le mot, ilm. Sur racine, ilm. To know. Yansuruhu. Qui sera racine ça? Nasser. Nasser. Man ansar. Man helpers. Ok, rappelle dans Madina, c'est la man ansar. Man helpers. Nous tiens après, c'est la man ansar. Après, le groupe là, comment s'appelle? Muhajirun. Man qui fait Mecca, tu viens Madina, on appelle ça Muhajirun. Man qui fait accueillir les autres, et les autres, on appelle ça man ansar. Comment est-ce que tu as dit là? C'est parce que tu as dit help. Man ansar. Nasser yansuruhu. Help. Ok là. Man yansuruhu. Rasulahu. Gitu mana nominatif atau subjektif dia nak? Mana an verb? Mana nominatif? Kita mana? Subject. Ini memang subject. Sebona. Jadi apa kemudian? He knows. Kemudian? Allah knows. Jadi semua apa kemudian? He knows. Kemudian? Allah knows. Beliya alam Allah. Maksud saya ialah sedat, for, soal sedat, ya alam Allah. Allah knows. Faut pas trop rentrer. Ok, mon coup de dire ce that Allah knows. Également, ok, en a li, à cause en a li, ne pas dire ya'ala mou. À cause en a li, en l'an li, kay hatta idan, ne pas dire ya'ala mou, nous dire ya'ala ma. Ok, là. Pour qui Allah connaît man, celui. Ou soit qui s'en là, yam surubu. Et who. Voilà. So that Allah knows who help him. Who help him wa rasulahu. And his messenger. Rappel. Quand un pronom est attaché à un verbe, il devient objet. Je te rappelle. Donc, aide quoi, ou soit aide qui, aide him. Ok là. Voir Rasoul, Rasoul aussi c'est objet. Comment on connaît l'objet, l'accusatif? Est-ce que je vais suivre ça? Alors, c'est un petit mot pour le commencement. Pou. Li veut dire pou. Pou qui Allah connaît, qui s'en là, aide li, un pronom, il remplace un. Non. Un pronom, il remplace un. Non. Donc, who peut remplace un. Donc, à cause de ça, je mettrai capital là. C'est pour une petite indication. Pour qui Allah connaît qui s'en là aide lui et aide ce messager. Est-ce que je vais suivre? Toutefois, il y a une compréhension là. Je connais qui Allah, quand on veut dire aide Allah et aide ce ressort. Qui ne peut redire pas ça? Il y a une compréhension qui nous besoin là. C'est aide. Fi sabilillah. Allah est al-ghani.
Allah ni al-ghani. Allahus samad. Deuxièmement, Allah n'est pas besoin ni. Allah est indépendant. Allah n'est pas besoin ni. Quand on veut dire yansuruhu wa rasulahu, c'est aide fi sabilillah et aide sera sur. On continue? Allez. Une petite question, ça c'est pour un. Moi, je vais mettre une autre phrase. Moi, je vais dire un ayat, je vais mettre une autre phrase. Si moi, tu dis, si moi, tu dis, لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرَسُولُهُ. Moi, je vais dire رَسُولَهُ, moi, je vais dire رَسُولُهُ. Ça vous est qui veut dire là? Voilà. Voilà, frère, sœur ou dernier, vous pouvez trouver le chantier gagné. Si moi, je fais une nominative, je vais dire que je vais une subject. Il n'est pas object. Et là, comment sœur ou dernier dire pour qui Allah connaît et ce messager connaît, vous voyez ce mot-là, qui s'en a et lui. C'est bon là. C'est bon là. Comme ça, cinq petites nominatives là, comment sens grand-chose. Ok là. C'est bon. Allez, on va continuer, mais c'est pas pour l'an, c'est déjà c'est لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرَسُولَهُ afin que Allah connaît qui s'en appelle aide dans le chemin Allah et aide ce messager. On va continuer. ذَلِكَ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Et nous disons يَعْلَمُ تَعْلَمُ يَعْلَمُ. Et combien de répétitions il y a là? يَعْلَمَ. Ici c'est يَعْلَمَ تَعْلَمُ يَعْلَمُ. Allez, est-ce que vous avez trouvé dans cet ayat-là un appel? Nous essayons d'identifier un contrôleur. Nous allons faire pareil, comme on va dire là. Est-ce que vous avez identifié un contrôleur? Après, c'est un peu? Li. Vous avez attention, TV Li. Tu vas nous gagner Li là. Donc, contrôleur c'est Li. Maintenant, je vais dire moi un. Un c'est pas contrôleur pour nous donner rien. Vous avez une différence entre un et un. Parmi les affaires. Vous me suivez moi là? Un et un par même affaire. Ok, un c'est un par même affaire. Nous, ce que nous disons, c'est un, l'un, li, kay, hatta, idan. Un, l'un, li, kay, hatta, idan. Un, c'est formé par sisters. Of in. Ça, il y a un contrôle, nous avons dit, il y a un contrôle pour isme. Il y a un contrôle pour isme. Ça, il y a un contrôle pour al-fi'l al-mudari'. Ça, il y a un contrôle pour isme. Ça, il y a un contrôle pour al-fi'l al-mudari'. Tu les définis là. Oui, tu les définis là. Tu les définis là. Et tu n'as pas de ça, il y a un non. Ça n'a pas appliqué le ban, non. Ça n'a pas appliqué le verbe. Ok, frère Kadir? Allez, nous continuons. Nous gagnons le contrôle pour nous donner là. Pour nous donner ce contrôle, nous gagnons. Zalika li ta'alamu annallaha ya'alamu. Allez, dis-moi, Zalika. That, ça, li ta'alamu. Li. You. Mais li, ensuite li là? Seda. Seda. Ta'alamu. You know. Comment vous connaissez you? Ta. Ça, ta là. Ça, ta là. Représente un. Ta représente deuxième personne. Et où? Il y a pluriel. Donc, ça, pour qui je connais. Valica, ça. Li, pour que ça. Pour qui je connais un Allah. Qui Allah ya'lamu. Connaît. Ça pour qui je connais, qui Allah connaît. C'est bon? Ça pour qui je connais, qui Allah connaît. Et ici, qui allez, vous mettez en anglais. Si vous mettez en anglais, that, so that, you know, that. That, Allah knows. Et l'autre affaire, qui est arrivé ici? Qui s'en sont finis là? Ta'alamu. En fait, c'était ta'alamun. À cause d'un li, nous on est tombé. C'est bon?
Allez, nous continuons. Qui Allah connaît? Allah connaît ma. Et c'est pourquoi on pense que même ça. Oui, même ça. Même ça. Ça, vous qui je connais, qui Allah connaît ma fissama wadi. What is in the heavens? What is in the earth? And what is in the earth? Nous sommes en earth. Très bien. Nous continuons.